On est Juliette et Kevin de Rive. Je ne sais plus. Dans l'espace, ton visage se perd. Toi contre moi et le temps contre nous. Pour moi, c'est à l'occasion du F dans le texte, un concours organisé à Bruxelles. Le fait d'être arrivé en finale à du F dans le texte, je dirais premier concert botanique, et le fait qu'on gagne autant de prix, ça a été une reconnaissance par rapport à ce qu'on faisait, et on s'est dit alors, ok, on y va. Je dirais Vogue. Vogue avec sa fin un petit peu en explosion, je dirais que c'est Kevin. Pour moi, ce serait Vogue, puisqu'il y a un côté très mélodique. Et en même temps, il y a un peu de folie, notamment après le deuxième refrain. Musicienne à voix et musicienne de feu, parce que sur scène, je crois qu'elle est vraiment dans son univers. Aucun des deux, et les deux une fille normale. Ah, pour moi, c'est le son sans hésiter, on va dire. Après, par contre, on est attaché à ce que les gens avec qui on travaille aient un univers fort. Bah les deux vont ensemble. Et je sais que... Et nous, on fait un peu attention à... Dans nos clips, justement, on essaie vraiment de travailler l'image. Bon, en ce moment, il y a O2N, je crois. O2N, en ce moment, ce serait O2N. Bah, j'aime beaucoup les Beatles, Radiohead. Je sais qu'à une époque, j'étais vraiment fan des Doors. Et alors, j'allais en pèlerinage sur la tombe de Jim Morrison tous les 3 juillet pour fêter l'anniversaire de sa mort. Avant de monter sur scène, elle stresse un petit peu. Donc, mais une fois qu'elle monte sur scène, c'est terminé. Tout va bien. J'angoisse énormément et voilà. Et alors après, je vais voir Kevin et je le touche un peu pour essayer de... pour voir s'il me calme un peu. Et puis après, je rentre sur scène et alors l'angoisse disparaît. Et l'idée, moi, c'est de faire un album pour... on va essayer pour 2018. Un album pour 2018. Donc, il y a du boulot, il y a vraiment du boulot.